Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un produit qui n'est pas sorti il y a 15 jours, hein. Il est plutôt sorti il y a environ 2 ans. Et si je vous parle de ce produit aujourd'hui, c'est que d'une part je n'avais pas eu la chance de le tester avant, mais surtout parce que c'est le genre de produit qui se bonifie avec le temps. C'est un petit peu comme les youtubeurs, ça se bonifie avec le temps. Voici le Blue Lola. Blue c'est la marque, Lola c'est le casque. Il s'agit d'un casque audiophile qui n'est pas Bluetooth, qui n'a pas de réduction active de bruit, mais qui est vraiment audiophile. Un casque d'excellente qualité qui m'a tapé dans l'œil, enfin plutôt dans les oreilles. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, le Blue Lola est livré dans une très jolie boîte où il tient debout à l'intérieur de sa boîte. Une première bonne impression, ce qui est quand même important pour un casque que vous allez payer pas loin de 300€. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il a une apparence assez originale. Il a des arceaux qui sont métalliques avec un double système intelligent pour le mettre sur votre tête et qu'il soit super confortable. Tout d'abord, il y a ici un genre de rotule qui permet d'agrandir le casque sans avoir besoin de l'étirer, mais plutôt de changer sa forme. En haut, il y a une partie fixe, hein, c'est l'arceau. Et puis sur le côté, il y a une partie mobile qui va vous permettre, lorsque vous le mettez sur la tête, d'avoir un confort optimal. Vous voyez, si j'avais une plus grosse tête, ça s'écarterait. Et puis si j'avais une plus grande tête, ce seraient les arceaux sur le côté qui, grâce à cette rotule qui est ici, pourraient s'agrandir. Mais comme j'ai une petite tête, eh bien, je vais pouvoir le mettre parfaitement adapté à ma tête. Le casque ne bouge pas du tout, il reste parfaitement bien en place. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que j'entends strictement rien. C'est un casque à réduction passive, donc avec des énormes coussinets sur le côté qui permet de ne rien entendre de ce qui se passe aux alentours. Alors comme je vous le disais, c'est un casque qui est plutôt audiophile. Donc il est livré avec des câbles qui sont amovibles. Donc il y a une prise jack 3.5 ici. Et puis donc il est livré avec deux câbles, un qui fait 3 mètres et qui est un câble jack-jack classique, mais 3 mètres c'est assez long. Et puis ici il y a un autre câble qui est livré, c'est aussi un jack avec une télécommande pour le casque qui permet de contrôler des appareils iOS. Donc bien sûr si vous avez une prise jack ou alors si vous utilisez l'adaptateur sur un appareil qui a une prise lightning, donc avec une télécommande classique pour le smartphone. Et puis il y a aussi un micro qui vous permet d'utiliser votre casque pour parler avec vos amis sur WhatsApp ou par téléphone, carrément, parce qu'il y a encore des gens qui téléphonent, il paraît. Il est aussi livré avec un adaptateur jack 3.5 vers 6.3, ce qui vous permet de le brancher sur une vraie chaîne IFI ou sur un véritable amplificateur audio. Ces options sont assez sympas et vous permettent également, si jamais vous avez un câble soit qui se perd, soit qui s'abîme, de pouvoir le changer sans avoir besoin de racheter le casque. Parlons maintenant du confort grâce à son système assez intelligent de réglage aussi bien vertical qu'horizontal, mais aussi grâce à son arceau qui est très rembourré et les coussinets qui sont hyper gros et qui sont hyper larges. Et bien lorsque vous le mettez sur les oreilles, d'une part vous allez être très bien isolé du bruit extérieur, mais vous avez aussi un confort qui est bien présent. Alors après 2 heures d'écoute, on ressent quand même une toute petite pression sur les oreilles qui vous donnera l'envie d'enlever le casque quelques minutes pour faire une pause. Mais lorsque vous regardez un film, eh bien, vous ne serez pas dérangé par les bruits extérieurs. Alors parlons maintenant de la qualité audio du casque, parce que c'est quand même le plus important. C'est pour ça qu'on achète un casque. C'est pas pour son design ni son système intelligent d'installation sur la tête. Non, je vous rassure, ce casque est d'excellente qualité. Alors il y a des transducteurs de 50 mm. Bon, en gros, c'est pour vous dire qu'il y a des haut-parleurs qui sont assez larges à l'intérieur du casque. Il y a un son qui est assez neutre, c'est-à-dire qu'il ne favorise ni les aigus, ni les médiums, ni les basses. En revanche, j'ai quand même noté des aigus en très 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 léger retrait. Malgré tout, l'image stéréo est très large et donc c'est super agréable. J'ai fait des tests à la fois sur mon ordi, sur Spotify, avec toujours l'écoute en très très haute qualité, mais aussi sur des lecteurs audiophiles comme par exemple le petit Dodo Cool que j'aime beaucoup, qui coûte pas très cher et qui permet d'écouter des morceaux en FLAC, en high-res pour moins de 50€. Donc je vous le conseille. Je vous en mettrai d'ailleurs un lien sous la vidéo pour vous acheter sur Amazon si vous le souhaitez. J'ai écouté du jazz, de l'électro, du rock. En fait, il ne favorise aucune musique et il n'est mal à l'aise avec aucune autre musique. Ce casque est vraiment très agréable à utiliser, quel que soit le type de musique que vous écoutez. Comme je vous le disais, ce casque a des coussinets qui sont très très larges et comme il couvre bien les oreilles, ça permet d'avoir une véritable isolation passive hyper efficace quand vous écoutez dans la rue, dans les transports en commun. J'ai presque pu le comparer avec un casque à isolation active, sauf que là, il n'y a pas besoin de pile pour le faire marcher ou de batterie. Cette isolation passive est hyper efficace avec ces énormes coussinets. Ça me plaît beaucoup en fait. Alors il y a un autre petit truc que j'aime bien tester sur les casques audio pour les mettre à défaut, et ça c'est un truc qu'on retrouve quand on marche dans la rue, c'est la résonance des pas. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, vous avez le casque sur les oreilles, vous écoutez de la musique et à chaque fois que vous posez le pied par terre, vous avez l'impression d'entendre la résonance de vos pas dans le casque. Ça c'est super désagréable, mais généralement c'est ce qui arrive sur des casques à réduction active de bruit. Celui-ci n'a aucune résonance des pas, quand on marche on n'entend pas ses pas dans le casque, c'est vraiment satisfaisant, donc zéro défaut sur ce point là. Enfin, pour ranger le casque, il est livré avec une petite pochette qui est très jolie, qui a un revêtement assez agréable avec une fermeture aimantée. Voilà, vous pouvez le ranger et ne pas l'abîmer. Donc c'est important parce que quand on a un joli casque, on n'a pas spécialement envie de l'abîmer. Et si vous avez un casque audio, je vous conseille vraiment soit d'utiliser la pochette qui est livrée
vivre avec, soit d'en acheter une, puisque quand on met son casque dans un sac, on la mine très très vite. Moi ça m'est arrivé avec plusieurs casques et j'ai regretté de ne pas les avoir protégés avant. Maintenant parlons du rapport qualité-prix. Alors ce casque est disponible entre 250 et 299 €, ça dépend les sites sur lesquels vous l'achetez, et comme il n'est pas tout récent, il est très souvent possible d'avoir des réductions pour l'acheter à un meilleur prix. D'ailleurs je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour vous permettre de l'acheter au meilleur prix. Moi je trouve qu'à 250 €, voire même à 300 €, c'est un casque audiophile qui est d'excellente qualité et qui rivalise vraiment avec des Sennheiser HD660 qui ont un petit peu plus une sonorité ouverte, et donc les gens qui sont autour de vous vont plus entendre ce que vous écoutez. En revanche celui-là, comme il a des écouteurs qui sont très très larges, il va vraiment vous isoler à la fois des bruits extérieurs mais aussi isoler votre musique pour les gens qui seront à côté de vous et qui n'entendront pas ce que vous écoutez, et ça c'est plutôt sympa. Donc entre 250 et 300 €, je trouve que le prix est excellent. Moi ça fait plusieurs semaines que je l'utilise tous les jours, à la fois pour travailler, pour écouter de la musique, aussi bien des MP3 bien encodés que de la musique lossless, donc qualité CD voire même du high-res audio. Et bien je vous assure que c'est un casque qui est super intéressant. C'est vrai qu'à ce tarif là on commence à trouver des casques Bluetooth à réduction active de bruit. Malgré tout il faut vraiment considérer ce casque, le Blue Lola, comme un casque audiophile qui est fait pour écouter de la musique chez vous ou en déplacement, mais surtout branché en filaire sur votre lecteur audio ou sur votre smartphone si celui-ci possède une prise jack ou est livré avec un adaptateur jack. Voilà, pour moi et pour le confort et le plaisir qu'il a donné à mes oreilles, je trouve que c'est un prix qui est tout à fait justifié, car c'est un casque qui est très confortable, qui est très beau, qui a une très belle finition et puis qui a un son qui est tout à fait intéressant si vous cherchez à ne pas modifier la musique que vous écoutez par rapport à la manière dont elle a été créée. Pas trop de basse, pas trop d'aigu, pas trop de médium, le son est neutre, c'est-à-dire qu'il est exactement comme la personne qui a créé la musique souhaite que vous l'écoutiez. Le Blue Lola est un très bon casque hi-fi, je vous le conseille. Je vais essayer de le garder encore quelques temps pour vous donner d'autres impressions sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, @NicolasCatard, mais aussi sur Instagram, @NicolasCatard, c'est original. Voilà, je vous donnerai mes impressions au fur et à mesure de mon utilisation du casque. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, un très bon casque, c'est comme une enceinte, c'est comme du vin, ça s'apprécie beaucoup sur la durée. Ce casque-là, je vais le garder, j'espère, pendant longtemps pour faire plaisir à mes oreilles. Merci de votre fidélité, à très bientôt sur The Grand Test pour un test qui n'aura sans doute rien à voir avec celui-ci. Salut!